En fait, c'est des petites vidéos qui vous expliquent, selon les fonctions que vous cherchez, qui vous expliquent comment utiliser sur le photocopieur. Donc ce lien-là sera mis à disposition sur l'intranet. Donc quand vous arrivez sur le lien, donc vous arrivez sur la page d'accueil du e-training Konica Minolta. Quand vous allez dans système d'impression, ici vous allez rechercher en fait le matériel en question sur lequel vous souhaitez donc avoir des informations. Donc pour ça vous pouvez faire directement la recherche. Par exemple vous pouvez noter C227 qui est un des matériels qui est installé dans la mairie. Donc sachant que pour les EMF, vous pouvez mettre C227, ça marchera pour tous les photocopieurs que vous avez en mairie. Donc là après vous choisissez dans quelle langue vous voulez que ça soit expliqué. Et ici en fait vous allez retrouver des petites vidéos donc, qui sont entre 30 secondes et 1 minute, voire 1 minute 30 selon les fonctions que vous demandez. Donc quand vous arrivez sur la page d'accueil, c'est plus des vidéos plus de générales, on va dire. Et après ici dans le contenu, vous avez vraiment par rapport à des fonctions plus spécifiques. Par exemple, en copie, vous avez pour réglage du zoom, réglage de la finition pour l'agrafage notamment. Vous avez aussi pour le scanner email. Donc là, après, vous avez un peu, où ça sera un peu plus détaillé, où les vidéos seront un petit peu plus.